Jerry et Vicky sont tous les deux soigneurs à l'océarium du Croisic. Et ils sont accompagnés par une foule de curieux pour leur mission du jour. Lâcher dans l'océan 40 jeunes raies et 15 jeunes roussettes nées dans les bassins de l'océarium. On est obligé d'aller au plus loin pour qu'ensuite, eh bien, quand la marée va remonter, elle soit tout de suite reprise par l'eau, tout simplement. Donc c'est pour ça que là, c'est un petit peu sportif, parce qu'il y a un peu de distance à faire. Mais il faut penser à nos petits animaux et pour pouvoir les relâcher dans les meilleures conditions. Là, on va avoir des animaux, une espèce de raie, ce qu'on appelle la raie brunette. Hein, elles ont 6 mois. Et ensuite, on a des raies douces, voilà, qui ont 12 mois. Instant magique pour les petits et pour les grands quand ils voient tout près d'eux les poissons évoluer librement dans l'eau. Moment d'émotion aussi pour les soigneurs. Non, reviens pas vers moi. Dès qu'elles naissent, c'est moi qui les nourris à la main, hein, le temps qu'elles apprennent et puis qui suit leur croissance. Donc voilà, c'est une belle expérience aussi. Et puis c'est chouette aussi qu'elles rejoignent l'océan. Je trouve ça cool, ça. C'est mon deuxième lâcher de roussette en fait. Et première fois pour les raies. Bah, c'était très bien parce que c'était la première fois que je voyais de aussi près des roussettes et des raies. Et surtout bah, d'être dans l'eau avec eux, quoi. Les pieds dans l'eau avec eux, c'était la première fois. C'est grâce à une série de pontes très importantes en 2020 que ce nouveau retour aux sources a pu être possible.